C'est différent. C'est quoi tout ça? Eh bien, je suppose que c'est une sorte de mécanisme qui sert à ouvrir cette porte. Ok, sur la gauche, on a Shiva offrant la hache à Parashurama. Et sur la droite, on a Parashurama coupant la défense de Ganesh. Attends, avec la hache? Ouais. Celle que Shiva, le père de Ganesh, a donnée à Parashurama? Ouais. Oh. C'est tordu. C'est ça, la famille. Allez, on essaie d'ouvrir cette porte. Alors comment ça marche? J'imagine qu'on le découvrira au fur et à mesure. Voyons ce que ça fait. Ça fait glisser la pièce loin de moi. Son ombre a bougé aussi. Essayons ça. Toi, tu vas là. Je comprends ce qui se passe. Les ombres correspondent aux fresques. Bien. Voyons si j'arrive à toutes les aligner. Ça a l'air marrant, en fait. Pas de place pour cela. Ça va rien donner. Et comme ça. Ok. Ensuite. Non. Et maintenant. Ça glisse pas plus loin. Voilà.
grincer. J'ai l'impression de pédaler dans la salle. J'occupe les pièces pour que les ombres s'alignent avec les formes sur la fresque. On dirait qu'à gauche, il y a Shiva, la hache et Parashurama. À droite, ça doit être Parashurama, la défense et Ganesh. Je vois. Tu devrais trouver quelle pièce va au milieu, puis déplacer les autres pièces dans l'anneau extérieur. D'accord, je vais essayer. Les deux symboles au centre de la fresque sont la hache et la défense. Alors la pièce du milieu doit avoir des éléments de chaque.
J'ai une idée. T'as quoi? Au centre, c'est bon, mais celles qui se trouvent dans l'anneau extérieur sont pas dans le bon ordre. Je dois bouger celles au centre, alors.
Coincé ? Dis-le-moi. Alors, il faut trouver où va chaque pièce et un moyen de les mettre toutes au bon endroit. Ok, t'as allumé les ailes avec les trucs. Bien, mais je vais devoir les réorganiser pour avoir les deux côtés. Voyons voir. Si tu fais face à la sortie, la pièce avec Shiva et la défense devrait être au milieu à gauche, du côté par où on est entré. Je vais essayer.
Tu veux que j'essaye? Je crois savoir comment faire. Vas-y. Sala et le tigre. Allons-y. Croise les doigts. C'est normal, ça? J'en sais rien. Va pas nous faire tuer. Rabat-joie. Prête? Wow, wow, wow. Fais gaffe. Incroyable. Nom d'un Shiva. J'allais le dire. C'est bon, tout va bien. Je t'assure, tout va bien se passer. Bien ? Elle est où, cette défense ? J'en sais rien, tout ça n'a aucun sens. Si, bien sûr que si. Léo et Sala se payent notre tête, voilà. Je crois que t'as raison. Ah, super. Attends, écoute-moi. Ganesh est l'emblème de... Allez, Bidou. Et Shiva, c'est celui de... Bellur. Bellur, l'ancienne... L'ancienne capitale. Exactement. Et si le roi avait construit cette ville spectaculaire, et que c'était devenu une cible idéale pour les Perses? Pour qu'ils oublient l'ancienne capitale. Toute cette ville ne serait qu'un leurre. Peut-être qu'ils l'ont laissé se faire piller, pour protéger Bellur. Et leur trésor. Je suis prête à parier que la défense a toujours été ailleurs. Toujours. C'est où, Bellur? Merde. Là, je suis sûre que c'est pas normal. Il va tomber. Accroche-toi hors bord, vite. Non. Je vais bien. Vas-y. Tu vas bien? Comment on a fait pour survivre? Le talent... et un brin de chance. Hey. C'est du beau travail. Beau travail. Mon sac. Bon sang! Tu visais quoi? J'ai trop la honte pour toi. Hey. Je peux me tromper, mais... Il n'y avait pas une chute d'eau ici? T'as raison. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Les aqueducs. Ils sont là pour récupérer l'eau des chutes. Incroyable. J'en reviens pas de ce qu'on a fait. Bah... C'est moi qui tout fais. Frimeuse. Écoute, pardon si j'ai touché un point sensible tout à l'heure. Oh. Ça fait rien.
crois que vous vous seriez bien entendus, tous les deux. Il était con et arrogant, comme toi. Je suis sûre que tout ça n'est pas passé inaperçu. On ne devrait pas traîner ici. T'as raison. Suis-moi. L'eau est canalisée vers la porte. Alors, on n'a qu'à suivre l'aqueduc. Bien reçu. Je passe devant. Alors, ils ont inondé leur ville pour protéger leurs secrets. Ouais, non ? Ouais, peut-être. Mais regarde cette montre. J'ai pris un vieillard en ville. Ce vieil enfoiré, il l'a pas lâché facilement. Ouais, je m'en rappelle. Oh ! Arrête de tirer ! Il y en a sûrement d'autres.